le 11 décembre 2021, les délégués de notre Assemblée générale élective viennent de me porter à la tête de la Fédération camerounaise de football. Merci d'avoir fait de moi le 17e président de la FECAFOOT. Je mesure l'honneur qui m'est fait et la tâche qui m'attend. Par ce vote, les délégués ont fait le choix de donner une chance au projet que j'ai présenté à tous les amoureux de notre sport, à savoir redonner au football camerounais toute sa grandeur. À ceux qui m'ont accordé leur vote, je vous fais la promesse de donner le meilleur de moi-même pour que notre drapeau flotte à nouveau au plus haut dans la compétition mondiale. Aux délégués qui ne m'ont pas accordé leur suffrage, qu'ils sachent que je respecte leur vote. Néanmoins, je les tends la main pour qu'ils prennent toute leur place dans la dynamique de notre projet. J'ai pris l'engagement de rassembler la famille du football, notre famille, pour relever le défi d'un nouveau départ. Vous me connaissez, je tiens toujours mes promesses. Aux autres candidats, Zachary Wandi, Jules Denis Sonana, j'adresse mes salutations fraternelles. J'ai une pensée particulière pour mon grand frère Seydou Mbokodjoué, le président sortant de notre fédération. Seydou, tu as fait de ton mieux. Je salue ton engagement et ton amour de notre sport. Aux autorités de notre pays, je dis merci pour l'encadrement et la facilité qui ont permis la tenue de la campagne électorale et le vote dans la paix et la sérénité. Aux amoureux du football, ce 11 décembre est un grand jour pour le football camerounais. Nous ouvrons un nouveau chapitre de notre histoire sportive. Dès demain, nous nous mettrons au travail pour que notre pays soit fier de ses meilleurs ambassadeurs que nous sommes. Footballeurs, nous n'y arriverons pas sans le soutien du peuple camerounais, tout le peuple camerounais. Vas-y! Telle est ma mission, tel est mon devoir. Je vous salue.